Je vous propose des nouilles chinoises au poulet. Pour le faire, il vous faut 200 g de poulet coupé en cubes, 100 g de petits pois, 100 g de champignons, 3 plaquettes de nouilles style noodle, un œuf, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de miel, plutôt bio, et 3 cuillères à soupe de farine. Nous allons commencer par battre l'œuf dans un bol, mettre nos petits dés de poulet dedans et après les rouler dans la farine. Donc là, on a mélangé la viande à l'œuf, nous allons passer dans la farine. Donc quand on a fariné notre viande, nous allons faire chauffer une poêle avec un peu d'huile. Quand celle-ci est bien chaude, nous allons mettre notre viande dedans. Quand on a mis notre viande, on les laisse dorer. Et après, nous réserverons sur le côté. Quand notre viande est dorée, nous allons la réserver de côté. Dans la même poêle, nous allons mettre les légumes. Donc, les petits pois et les champignons à revenir. Quand ils sont revenus à peu près 1 à 2 minutes, vous les sortez, vous les mettez avec la viande. On va faire la sauce. Donc, dans la même poêle, on a mis là les 2 cuillères de miel. Là, je mets aussi les 3 cuillères à soupe de sauce soja. On va laisser revenir 30 secondes, c'est vraiment juste pour déglacer, pas trop parce que ça fait du caramel. Et nous allons rajouter un tout petit peu d'eau. On a bien déglacé la poêle. Nous allons remettre la viande et les légumes dedans. Donc là, je vais laisser 1 minute encore revenir un peu. Sinon, c'est prêt. En parallèle, vous avez fait partir vos pâtes et après on va tout dresser. Voilà, les pâtes se cuisent dans l'eau pendant 12 minutes. Et voilà mon assiette de nouilles chinoises au poulet. Voilà, bon appétit!